de livres, quarantaine de livres. Je vous écoute. On y va ? Allez-y. À la table. Bon, alors, je vais vous parler quelques mots sur ce fameux festival auquel tous les auteurs espèrent un jour venir. Moi, ce n'est pas la première fois, et à chaque fois, je me régale. Car qu'est-ce que cherchent les auteurs quand ils arrivent dans un salon du livre ? En premier, le sourire des gens. Et celui-là, ici, ils ne sont pas avares. Au contraire. Et ça nous met à l'aise. L'organisation, bien sûr, à chaque fois, c'est un sans faute. Il n'y a rien à dire. Et alors donc, je dépose mes livres sur la table et j'attends que les gens viennent pour avoir une dédicace. En fait, j'ai écrit une petite quarantaine de bouquins. Quelques-uns ont été primés, certains prix littéraires. Et en fait, ce n'est pas vraiment mon métier. Ah. Mon métier, c'est couturier. Et la couturier est d'ailleurs connu dans le monde entier. Et la l'écriture, c'est une passion. Et vous savez, même quand vous montez, j'ai dirigé une affaire très importante et il fallait trouver le temps pour le faire. Et quand vous avez une passion, vous trouvez toujours la 25e heure pour le faire. Voilà, je vais dire maintenant merci bien sûr aux organisateurs du festival. Merci de m'accueillir avec autant de gentillesse et de respect pour mon âge, parce que j'ai quand même un âge que j'irais canonique. Je suis certainement d'ailleurs le plus vieux de toute cette cérémonie, l'aïeul, le doyen. Je suis content de le faire. Et je fais une bise virtuelle à tous ceux qui ont aimé voir et me lire. Et en attendant, je vous dis à l'année prochaine. Salut à tous. Merci beaucoup. Ça vous convient ? Très bien.